Alors, nous étions en train de tout casser avec, en tant que militants écologiques et décoloniales du côté de Snufkin, alias les Moomins. Je vais peut-être se lancer. Il y a du retard. N'hésitez pas à me tenir informé. Aucun paquet perdu. Le son déconne. Que la vidéo, ça va. Je coupe le son. A l'air de bien se passer ou le son meurt un peu? Oui, j'ai vu ça. Je vais faire un check en coupant le micro de temps. Ouais, donc en coupant le micro, ça a l'air de fonctionner. La vidéo a l'air de suivre. Attention, je vais essayer de faire en sorte que je bouge la tête assez rapidement. Ah ouais, mais si je mets pas play, ça marche plus. Ouais, ça a l'air de marcher. Petit décalage, mais ça va. On va jouer au jeu. Les images ignorées en retard d'encodage. Ah, on a perdu quelques frames. Attention, on continue, je bouge la tête. Ça a l'air d'être... Ah, ça a l'air d'être bon. Et bonjour, bonjour. On va jouer à Snufkin again pour la fin. Je rappelle qu'on n'a pas grand-chose à foutre dans ce jeu maintenant. Voilà. On était là, on doit aller là pour faire ça. On a plein de choses à faire. Et on n'a toujours pas trouvé le cep caché. Donc là, on a un peu couru parce que voilà, il y a les... Ah, je me rappelle plus comment ils s'appellent d'ailleurs. Qui nous ralentit. Ah non, on va tomber là. Ça saute pas trop, ça va. Mais ça fane les... J'avais pas compris que ça fanait les... fougères. Caché! Comme traverser quand même. Je me rappelle plus du coup comment on s'appelle, c'est les Svelte, un truc dans ce style, je crois. On a appris hier, je me rappelle déjà plus. Ça sera le raccourci tout à l'heure. La douce. Je peux pas l'utiliser, c'est ça? Ah si. Ah
Vite, faut que je m'enfuis. Ah, je peux les enfermer? Ah non, c'est triste. Ah non, ils sont revenus vite! À cause de la gadoue. Ah, faut vraiment les enfermer, les sveltes. Attends. Vite. Et pas possible. Quel jeu de l'enfer. Que vous aussi vous adorez jouer dans les bacs à sable quand ça fait de la fumée. Le sable se balade partout. C'est une vraie question. Hein. Accepte ça. Très bien, j'ai réussi à m'en débarrasser, mais je suis pas sûr que ce soit que le début. C'est que le début, ça, pour moi. C'est dur d'être parent. Ah, d'accord. C'est des petits. Je comprends. On dirait que je vais avoir besoin de petits selfs pour franchir cette obstacle. Je ferais bien d'aller les chercher. Oh non. En plus, faut aller les chercher. Faut aller les chercher, bah là où je les ai enfermés en fait. J'ai besoin de vous. Ça reste trop mignon. Allez, on continue. Pour voir jusqu'où on va. Ah oui, parce que c'est grâce au poids qu'on passe, d'accord. J'avais peur là. Un générateur à cailloux, c'est diablerie. Exactement. Je sais pas si c'est du bon côté que je vais. Ah si, c'est pour pouvoir m'aider à monter, d'accord. Donc après on va monter. Voilà, on va continuer de l'autre côté j'imagine. Mais oui c'est diablerie hein, bien entendu. Ah là il nous faut des sveltes. Qu'est-ce que c'est ? Ah mince ! Il y avait sans doute un truc à faire en bas. Juste pour ça? Ah oui d'accord, faut vraiment que je traverse. Du coup je vais avoir des sveltes quelque part. Hein. Pourquoi il est là lui? Ah oui d'accord.
Bon, on est où sur la map? C'est bien marrant de continuer comme ça. Mais... Ah, on est juste là. Non, mais... Pas bouger en fait. Je vais monter là-haut. Et en fait, il y a des endroits où je loupe. Et je suis sûr qu'il y a des trucs du théâtre. On a que 4 pages, je suis même pas sûr que ce soit suffisant pour... On peut checker, attendez. Checker. 8 pages de chef-d'œuvre, c'est bon, j'ai les 8 pages, ok. Rien dit. On a juste besoin de donner les invitations et chercher les costumes. Êtes-vous là? Allez-vous-en! Le monde d'extérieur est devenu... Nous ne voulons rien de tout cela. Laissez-nous à notre vie paisible profiter du paradis qu'est notre jardin. J'ai besoin de votre aide. Ne vous approchez pas. Je ne veux pas que vous perturbiez mes enfants parfaits ou mon jardin parfait. Ah, il y a les Svelte qui arrivent. Je dois la faire sortir d'une manière ou d'une autre. Ça y est, c'est fini, il y a les Svelte. C'est fini pour vous. Mes petits selves. C'est selve, pas Svelte. On va changer son, la gueule de son jardin, hein, j'ai envie de dire. Vous êtes en train de ruiner mon jardin parfait. Pas si écolo, finalement. Est-ce qu'on n'y gagnerait pas à remettre dans l'autre sens? Vandal, je vais appeler la police. Bah, appelle, hein. Écoute, on sait gérer la police ici. Je vous ai montré toutes mes techniques, hein. Bientôt, on jouera à Splinter Cell. Vous allez voir toutes les techniques, les strats que j'ai appris aussi dans Metal Gear. Et de courir partout, en rond. Pour pouvoir éviter de se faire courser. Visible. Et en même temps invisible. En vrai, j'aimerais bien rejouer à Splinter Cell, parce que j'y ai joué... j'ai fait que le début. Genre... Du premier, je crois. J'ai trouvé ça trop marrant de pouvoir se cacher sur les plafonds. Et après, j'ai arrêté. Vos enfants ont l'air de bien s'amuser. Mais je dois les protéger. Vous protégez très bien vos enfants, mais ils ont aussi besoin de jouer et de s'amuser. Je suppose ces petits selves crasseux auraient tout de même besoin d'un bon bain. Bah, super. Certes, vous n'avez pas tort. Et d'une coupe de cheveux et de nouveaux vêtements. Mais faut se calmer, Filigon. En parlant de vêtements, avez-vous toujours les costumes pour le théâtre? Oui, il fallait bien que quelqu'un en prenne soin. Le théâtre était en piteux état. Eh bien, nous en avons besoin maintenant. Nous montons une pièce de théâtre. Pour le gardien du parc. Pour le gardien du parc? Un homme tellement merveilleux. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Ah, Filigon est de l'ordre. Aime l'ordre. Je ne savais pas qu'il était amateur d'art, cela dit. C'est logique. Okay. Vous avez des invitations pour la pièce? Eh bien, j'aime beaucoup le théâtre, mais il y a déjà tant de choses à faire à la maison. Et s'il y a un problème, je devrais peut-être commencer par lire les critiques. Le gardien du parc qui sera. Oui, ça a l'air compliqué les conseils de filles. Eh bien, dans ce cas, c'est important de soutenir la scène artistique locale, alors j'y serai. Ça, ok, c'est bien. Ça, c'est bonne position. Bon positionnement pour la fin, Filigon, c'est bien. Tu es... votre parti socialiste, on t'a cramé. Hein. Y a bonne app. Oui, c'est l'heure. Bon appétit. Exact. Des horaires de mangeage. Ah, y'a Mew! Ah, mais on est là!
Moi, ce perso, incroyable quand même. Rien que pour pouvoir sortir cette frame, j'aimerais récupérer tout ce passage-là. Uniquement autour du puits et l'avoir, genre, constamment dans le frame. Avec sa tête qui tourne les yeux, là. Alors. Le journal, c'est où le journal? Voilà. Donner l'invitation au snork. Donner l'invitation au gardien du parc, c'est bon. L'invitation collectionneur d'insectes, donner l'invitation à tout Tiki. Ah bah c'est bien, ils sont juste à côté. On va aller jusqu'en haut d'abord. Snork. Peut-être qu'on va trouver... On va peut-être trouver le champignon sur le chemin. On va aller en bas. Oh, un raccourci. Que je n'avais pas ouvert. Oh non, il y a une ouverture de svelte. Ah non, mais ça c'est l'eau. Ça non. Salut! Oui, c'est ça, c'est le passage de l'eau, ça. Attends, je regarde la carte parce que je crois qu'on peut pas passer par là. On redescend trop bas. Pas grand chose. Et en plus, il y a le collectionneur d'insectes qui est juste au-dessus. On va remonter. Par là, là. Ouais, déjà fait. Je vais être dans le coin, là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le doigt, là. En bas, j'avais oublié qu'il y avait le doigt. Qui m'a dit. Et... On l'a pas fait, lui. Comment ça se fait qu'on l'a pas fait, lui? Oui, c'était le raccourci. On l'a déjà fait. Bientôt niveau 9, hein. C'est sûr que le maximum, c'est niveau 10. Ah, jamais, hein. Les fleurs sont ici. Le parterre est pas loin. Tiens, prends ton invitation. Une pièce. Qui a le temps pour ce genre de choses? Je préfère de loin la nature à la culture. La nature est le sujet central de cette pièce. Elle s'intitule La mélodie de la vallée des Moomins, comme le jeu. Alors pourquoi pas? Y a-t-il des célébrités qui jouent dedans? J'ai entendu dire que Petite Mu avait décroché un rôle dans la pièce. Elle est assez connue par ici. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'avoue que c'est une star quand même. Oh ouais. Dans son monde, c'est une star, Petite Mu. Alors, on continue. C'est en haut au snork. Je l'ai pas indiqué sur le journal. Attendez, je vais l'indiquer. On va mettre la cam aussi. C'est bon, j'aurais mis la cam déjà. Le snork, il est là. Et après, tout tiki et c'est bon. Fantôme, il a pas d'invite. Alors que Fantôme, il est vachement bien. Fantôme n'a pas d'invite. Ça par contre, je trouve que c'est discriminant envers les gens qui veulent faire peur. Donner l'invitation et on continue, donc c'est par là. On va passer par là parce que je crois qu'il y a le... Bon sens. Snork, c'est pas lui. Snork, c'est pas le gars qui nous fait la course de petits bâtons et grands bâtons. Si? Ah si. Sans façon, merci. Y aura-t-il beaucoup de monde? Beaucoup de bruit? Oui, c'est un genre... C'est très probable, oui. Alors, je vais peut-être attendre l'adaptation en livre. Vous êtes lourd. Tout le monde est très lourd, là. C'est une pièce de Papa Moomin, ce sera l'unique représentation. Nous la montons pour sauver la planète, la vallée des Moomins. Non, en fait, ils sont lourds, mais c'est surtout qu'ils marquent le caractère de chacun. C'est en vrai pas mal. C'est vrai que les caractères sont quand même bien. Bon, j'ai pas lu la fin. C'est bon, il a accepté. Et du coup, je ne sais plus où est,
où est l'arrivée des champignons, mais on va essayer de faire ça dans le bon ordre. On va aller voir Tutiki, qui est à la plage, à côté du bateau de Papa Moumine. Et le jeu se finira dans quelques secondes. On aura fait 3 minutes. Tutiki est en bas. Tutiki, c'est vous ? Caisse de Papa Moumine ? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Merci pour l'invitation, Numeric. Alias Snufkin en anglais. Et le nom du jeu. Et maintenant, on va essayer de faire la dernière quête, du coup, histoire d'avoir du temps. Et de se donner du temps. Les chanterelles. Il nous faut 2 chanterelles. Je sais pas où trouver ces chanterelles. C'est ça le problème. Et le rat musqué, je sais même pas où il est foutu, d'ailleurs. Je me rappelle plus où je l'avais mis, le rat musqué. Mais je crois qu'il est du côté de là. Mais je crois qu'on va pas y arriver. Hein. On va essayer de passer du côté de la forêt, mais je crois qu'on va rien trouver. Trouver 2 cèpes en plus, c'est beaucoup. Hein. Vérifie parce que on est je suis sûr d'être passé à côté en plus. C'est ça qui est grave. Forcément je suis passé à côté, j'ai traversé tout le monde. Peut-être pas aller de l'autre côté là. Ça c'est pas un... Ça se prend pas ça? Non. Pourquoi il y a des champignons dans le coin? Oh, j'ai déjà fait je crois. Pas le bon côté. Je sais pas par où il devait partir par contre. Peut-être que c'est caché dans les fougères. Hein. Mais je croyais que j'avais trouvé toutes les... Mais oui ! Un champignon ! Il en manque un. Une éponge plein de saveurs. J'ai bien fait de passer dans la forêt. Même si on écrase toutes les fougères. Ici. Alors peut-être que il y a un truc que j'ai loupé de l'autre côté. Déjà il y a les... Je ne sais même plus du nom. Des pissenlits ça, je sais plus moi. Pas monter là, c'est pas Zelda, c'est pas un endroit où t'as des fleurs et tu peux traverser. Par là.
Petit bâton et grand bâton. Là, on a une... Ouais, un pleurote, une pleurote. Ouais, c'est ça, il en faut deux. Jamais on va l'avoir. Step, c'est bon. Les chanterelles... Ah, c'est... Step, c'est bon. Deux chanterelles. J'en ai un sur deux. Ça veut dire que j'ai même... Ouais, c'est ça, j'ai... il manque juste un une chanterelle. Alors, par contre, où trouver la chanterelle? Par là, mais en haut. Ah, apparemment, on est déjà passé par ici, parce que c'était là où il y avait la chanterelle. On va aller par là. Bon, donnez vos coins à champignons, là! Et où? Ah, des champignons, c'est vrai que j'étais passé... Bon, j'avais pas continué. Là, là. Est-ce que c'est ma chanterelle? Non. Continue. Des champignons un peu partout, c'est bien. Salut Franck Brousset, de la chaîne de Franck Brousset. Si vous ne connaissez pas Franck Brousset, allez voir Franck Brousset, je vais faire un shoot-out. Et sur cette petite musique de fourmi. Shoot-out. Je crois que ça s'est bien passé ta peinture hier. Non, parce que j'ai... Alors figure-toi que j'étais en course, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu veux bien me répéter ou tu veux que je peux regarder le replay? Parce qu'en général je suis en replay chez toi. Majoritairement. Mais la chanterelle! Enfin! On a la deuxième chanterelle! Wouah! On a débloqué un truc. Le meilleur coin des champignons on a trouvé. Je relirai. Mais j'ai vu que déjà, tu proposais déjà de pouvoir peindre des figurines en accompagnement. Mais je t'avoue, je n'ai point lu. Je n'étais point là, j'étais en semi-cachette. Non, faut pas que j'aille par là, parce que là, c'est la fin du jeu. J'étais en semi-cachette hier. Je t'avoue, en fait, je suis parti en courant... Fred pour m'attester. Je suis parti en courant du stream. C'était compliqué. Mais je regarderai le replay si ça te dérange pas. Mais si t'es en course ou je sais pas. Je regarderai. Parce que en fait, je t'avoue. Déjà, les lives de figurines, c'est intéressant, mais je n'avais pas de figurines. Je n'ai pas de figurines. Encore moins de Warhammer. Speedfreaks le 6 août que je te proposais de jouer avec nous. C'est quoi Speedfreaks? Ah, c'est le jeu de... Ah oui, c'est le jeu Warhammer que t'as parlé la dernière fois dans le live. Ok. C'est le jeu de voiture slash combat, là, un peu. Attends, il faut que je regarde. Je me rappelle plus c'était quoi, déjà. Ça ressemblait à un truc genre Burnout pour les gens comme moi qui aiment le carambolage. Attends, je regarde. C'est Warhammer, on est d'accord, c'est dans le monde de Warhammer. Ça a été amené récemment, d'après ce que tu nous avais dit. Ouais, c'est ça, mais t'avais déjà joué un jeu comme ça, non? En fait, t'as déjà rodé le jeu. Je sais pas si mon ordinateur peut faire tourner ça, faut que je regarde sur Steam. La MOBA voiture, ok. Alors, c'est compliqué. Je t'avoue que le 6 août... Pas tout de suite. En fait, moi, je suis en fuite... En fuite de Twitch pendant un mois, là. Au minimum. Et peut-être du travail aussi. Alors, attends, je regarde vite fait le 6 août. Mardi. Mardi, c'est chaud. Hein. Ouais, je serai en semi-vacances. Ce qui n'est pas vraiment le cas, en fait. Ouais, ça va être compliqué pour moi. Peut-être le soir, et encore, je serai sans... Ouais, peut-être le soir. Mais il faut que je check déjà si ça fonctionne sur mon PC, parce que j'ai un PC de plus de 5-7 ans, je crois. Je regarde la vidéo. C'était tentant. Bordélique, mais tentant. C'est vrai que ça donne envie de s'amuser. Je t'avoue. Je regarderai.
Je note le 6. Faut que je note quelque part. Je noterai. Faut que j'ai un truc ici. Ouais. Je vais le coller sur l'ordi. Mais c'est, ça tombe bien parce que j'ai testé le double setup hier. J'ai un autre ordinateur mais qui est trop vieux maintenant. Et du coup ça me permet de faire tourner des jeux un peu plus vénères. Ouais, merci. Minimal. Intel. Alors, ça a l'air bon. Pour Intel. Ryzen 1300, ça c'est mort. Moi je suis encore en trois chiffres. Mémoire vue, c'est bon. La Nvidia GTX, là, je l'ai pas. Ah ouais, c'est chaud. Minimum, c'est quoi? 4Go de RAM. Là, ça se tente, hein. Connexion Internet au débit, ça va. Ah non, attends, je note 6 août. Bitfix. Mais en fait, ouais, il y avait... J'ai essayé de faire en sorte que je puisse essayer de, au moins, de prétendre à faire des jeux plus lourds que je joue. Déjà, là, c'est compliqué. Je t'avoue. Mais faut que j'achète un ordinateur et je n'ai point d'argent actuellement. Donc je vais checker déjà si ça tourne et après on verra. Le maximum que j'ai fait tourner sur en jeune dans mon PC, c'était quoi? Bah celui-ci par exemple, mais c'est parce que ça demande pas beaucoup de ressources. Dans l'image, il n'y a pas d'explosion, etc., ce genre de choses. Je crois que le plus jeune que j'ai testé, Dead by Daylight. Et ça, c'est Dead by Daylight, le truc avec les tueurs de films. Et peut-être le jeu World War Z, là où c'était un FPS. Ouais, non, t'inquiète, c'est justement, c'est même en accompagnement, c'est juste essayer de voir si c'est fluide, déjà, si j'y arrive, quoi. C'est pas obligatoire de stream, ouais, t'inquiète. Parce que Dead by Daylight, je sais que c'était avec Raving Bell et Kaliel, et je crois que c'est Kaliel qui streamait. Et du coup, le World War Z, là, je sais pas quoi, là, c'était juste pour voir si ma carte graphique était en train de décéder ou pas. Mais sinon, ouais, moi, je suis pour. Je vais checker, si je peux. De toute façon, c'est encore, en gros. Alors, on en est où? Petite mue, personnage principal, bien entendu. Ça y est, j'ai distribué toutes mes invitations. Est-ce que j'ai battu Mumrik alias Snufkin? Vous avez tous deux fait un travail merveilleux. Merci. Maintenant, nous pouvons enfin commencer le spectacle. Je suis tellement impatient de voir ça, des billets exclusifs pour la première. Voilà, la pièce est sur le point de commencer. Je dois y aller. J'espère que le manoir du gardien du parc est vide maintenant que je puisse aller chercher la clé et libérer Moumine. Toutes les invitations ont-elles... Ah oui, ça y est, Papa Moumine est stressé, je crois. Toutes les invitations ont-elles été distribuées? Oh, je sens la pression qui commence à monter. Les costumes! L'outil du comédien, merci! Bon, alors du coup, il y a tous les keufs. Ok, super. Allez, on va pouvoir enfin... redevenir militant écologique contre les méga-bassines et break les statuts de l'autorité. Bien sûr décolonial, hein. Quand on break les statuts, c'est officiellement vous êtes déclaré décolonial. Alors, c'est pas où qu'on passe. Faut que je rentre dans sa maison. Voilà la clé du gardien du parc. J'espère que cela ne sera pas trop difficile. Je me demandais pourquoi mes ravioles avaient un goût chelou. Obligé. Ah oui, c'est con qui a été mis du basilic dedans. Mais le basilic, c'est bon, non? T'aimes pas le basilic? En fait, qui est équipé.
Alors là, pour moi, là, cette loupe qui s'est passée dans cette maison, c'est exactement ce qui s'est passé dans Monkey Island, dans la maison. Exactement le même bordel. Vite, Mumrik, les gardes sont tous partis. Ils sont partis voir la pièce de Papa Moumine. Oh, je suis triste de la manquer. Est-elle bonne? Moumine apparemment, c'est un chef-d'œuvre. C'est bien, c'est le bon moment de discuter de ça. Allez, Moumine libérée. Mon cher Moumine, quelle joie de te revoir. J'étais désespéré. Merci, mon ami. Nous devons aller à l'horrible barrage du gardien du parc. C'est à cause de lui que toute la ville est asséchée. Ah, enfin, on va faire péter les vrais trucs. Alors, attendez. Oui, bonjour. Il est dans le parc, juste là. Il n'y a plus la musique. IBM, Moumine le troll. Ah oui, donc du coup, c'est de ce côté-là le barrage. Ok. C'est marrant parce qu'on avait suivi le. Pas avec des ravioles. Je comprends pas. Ah, le basilic, pas avec les ravioles, c'est ça que tu veux dire. Par ici! Comment allons-nous passer au-dessus de la barrière? Nous nous aiderons l'un l'autre! Et voilà, alors prenez vos notes, c'est le moment de noter comment passer les barrières. Escalader la barrière. J'ai appuyé sur bas. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Aïe! Non, je me suis blessé. Je ne peux pas marcher. Je pense que tu vas devoir faire ça sans moi, Moon. Tu peux le faire, j'ai toute la foi du monde en toi. Waouh! Attends, le lore, c'est qu'on joue Moumine à la fin? Mon vieil ami, nous allons finir cela ensemble. Allez! Oh ouais! Regardez! Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. 100, 105% le jeu. Hein. Faut enlever les. Faut pas enlever ça? C'est moi qui vais te porter pour une fois. Yes, trespassing. J'ai sans faire exprès cliqué sur trépasser. On n'enlève pas les pancartes du coup là. C'est juste le. Ne pas sentir, ne pas prendre le thé. Et allez, on est parti pour faire. Bien sûr, vous connaissez. Vous connaissez mes capacités de d'incursion auprès des keufs. Ça va aller vite. On peut pas courir. Oh là là, on peut pas courir avec lui. On peut pas courir. Oh non, on peut pas courir. Tout de suite, c'est moins intéressant. Ah! J'étais bloqué. Allez-vous-en, personne ne doit interférer avec le grand projet du gardien du parc. Ah, ils ont peur, ils ferment les yeux. Ah, c'est intéressant. Oh, vous voulez? Ah, je suis caché dans l'arbre. Tout va bien. Bah non! Mais on peut vraiment pas courir, j'aurais dû sauvegarder Mumrine en fait. Hein. Mumrik là, sur le coup, j'aurais dû le sauvegarder. Franchement, c'est abusé. Là. Tout de suite, on a le niveau qu'on a plus. Ok, toi t'as pas peur, toi. Apparemment, plus d'électricité à ce moment-là.
Ok. On y va. Petite touche de piano, ouais. J'étais sûr. C'était pas un coup de chance, tout était calculé. Je me suis dit, c'est bizarre qu'il centralise le truc. Allez, on y va. C'est ça leur système, c'est nul. C'est vachement nul. C'était vachement nul. Aha! 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 Oh ho! Aha! Oh ho! Oh, mais non, mais ils me voyaient pas! À la dernière seconde, ça passait. Ouais, ok. Sans courir, ça marche moins. L'ensemble de la BO est super. J'avoue qu'elle est bien. Là, j'étais en train de me dire les petits poum 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 au moment de. Le petit piano, c'est ça? Piano, je crois. Bon, allez, je joue sérieux, hein, parce que je l'ai jamais fait vraiment sérieux, les. Dans aucun jeu, je fais sérieux le passage de. Il faut être caché. Oh non! Oh non! Oh non! Voilà, salut! Ah, je l'ai jamais fait sérieux. Bonjour, Dédé! Comment ça s'appelle? L'insertion. Quelque chose. Heureusement qu'ils ont peur, hein. Parce que ça aurait été difficile, hein. Sinon. NLP. Aha! Je suis dans le parterre de fleurs. Tu n'aurais jamais pensé à ça. Ah non! Infiltration, voilà, c'est ça exactement. Comme l'eau. Et la police tue. Ouais, c'est vrai que y a que Poutou qui a le droit apparemment. Ha! 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 Mais c'était. Ma stratégie était bonne si je courais. Je crois qu'il n'y a pas ici un DD. Hein. Mauvais chat hein, pour le NLP. Alors attendez, parce qu'il y a une strat. Voilà. Il y avait une strat un jour. Et parterre par parterre en diagonale. En fait, tu fais comme les lacets, mais avec les parterres de feu. Hop, hop. On attend la diagonale. Hop. On attend la diagonale. Hop. On attend la diagonale. Voilà, c'est comme les lacets. Exactement pareil. Ah, on peut courir. What the fuck, man? Wow. Heureusement qu'ils sont tous en mode flippé de l'électricité. Hein. On a pas le droit de... Je sais plus. Ah oui, y a que Poutou qui a le droit de dire la police tue, apparemment. C'est pour ça que je l'ai mis, hein. On est interdit. Cette infiltration devient problématique. Je trouve que j'ai l'impression de traverser Paris, là. C'est compliqué. On va monter, hein. Et on voit plus rien. La caméra, recentrez-vous, s'il vous plaît. On dirait la fin du jeu Vandal. Je sais pas si vous avez vu Vandal, le jeu de Arte. On fait du graffiti. Et la fin, c'est que des keufs. Partout. Ça ressemble à ça. Étrangement, on s'y retrouve. Ok, donc on est au barrage. Maintenant, il va falloir qu'on fasse une technique imprenable, qui est de balancer des lentilles d'eau dans les conduits, pour qu'au fur et à mesure, il y ait les tuyaux qui soient bouchés.
Non, je parlais pour... On n'a pas le droit, donc c'était pour spécifiquement Dédé, parce qu'en fait, Dédé appelle des commandes qui ne sont pas là. Tu veux des commandes Dédé, c'est pas le bon chat. Tu te trompes. Peut-être qu'il y a l'anti qui a commencé, peut-être que c'est de ce côté-là que tu vas pouvoir avoir ces commandes-là. Salut Ranae! Comme à la maison. Vive les lentilles d'eau. Et après, il y a les points gratuits à un point là, de la chaîne si vous voulez appeler Winnie. Mais comment ça, on n'a pas toutes les mêmes commandes? Ah bah ouais! Mais dans le futur, si tu veux, je mettrai les mêmes commandes. Hein. Là, tu m'as proposé nique la police, donc du coup, ça, je sais où aller chercher. Le A, je sais où aller chercher. A cap, je vois lequel. Et ok. Les sticks fonctionnent en random. Attention. Hein. Je tiens à préciser, ça veut dire que ça peut être rappelé. Alors, ça, j'ai un problème de C-Sharp que j'ai du mal à gérer. Je découvre le C-Sharp. Hein. Il faut que je puisse faire dans C-Sharp appeler en random des sources, mais que s'il y en a une qui est déjà visible, prendre celle de l'autre. Enfin bref, voilà. Et du coup, le problème, c'est que bah, j'ai pas réussi bien. Donc c'est possible que vous appuyez. C'est pour ça que c'est un point hein, d'ailleurs. C'est possible que vous appuyez la même commande. Voilà. Continue! Plus pour longtemps, allez, on y va. T'as peut-être un dossier, waouh. Le Winnie qui va prendre 15 ans et qui va prendre toute la bande passante. Il arrive, il est bientôt là. Ah ça y est, ça fait râler. Je patiente tant que Winnie est pas encore arrivé, je le vois pas arriver encore. Il est là, il est dans le coin. J'attends juste la fin. C'est Streamerbot qui fait du C-Sharp. Je crois qu'on en avait parlé déjà dans ton chat. Moi j'utilise Streamerbot. C'est 12 bis là dans le coin. Et ça revient à un mix-it-up comme vous avez. La seule différence, c'est que on peut placer du C-Sharp dedans. Je crois que c'est du C-Sharp. Hein. Ou du C, je sais plus. En bref, un des trucs que je ne sais pas faire. Et du coup, j'ai commandé. Enfin, j'ai commandé. Je suis allé chercher. Pour aller jusqu'au bout. Je suis allé chercher un code pour faire les dés. Donc là, par exemple, un dé de 10. Je crois qu'il fonctionne toujours. Ah oui, mais en même temps, si je suis en majuscule, c'est compliqué. Voilà, donc c'est assez simple, un dé de 10, quoi. Et c'était quand on jouait à Baldur's Gate. Le truc, c'est que... On est parti sur ce système de dés-là. Et de faire une randomisation un peu pareille, mais en source, après... Donc là, j'ai tout un dossier avec des stickers. Et le truc, c'est qu'il va les ouvrir. Sauf qu'il n'arrive pas à faire. Ah, il est visible celui-ci. Donc, je n'ouvre pas celui-là. C'est mon problème. Ah, ben, il faut juste. Ah, c'est juste ça. Bon, bah, voilà. C'est fini! Mais vu que je découvre le. Je me tais. Tu arriveras à marcher? Oui, merci pour la balade, mon vieil ami. Ouais, on est tombé dans God of War. Non, ça bug là? Il se passe quoi? Faut que je fasse quoi? Ça bug? Le E? Le E? Ah non! Ah c'est bas, excusez-moi. C'est pas E. Et ils ont pas changé ça, ça va pas modifier les...
Et voilà. C'est un travail collectif, hein. C'est un travail collectif. La mélodie de la vallée des Moumines, c'est... magnifique. Comprends maintenant. La politique. Qu'est-ce que c'était que ça? Ma maison, mon parc. Et là, on peut faire un petit nique la police. La police tue. Ma maison, mon parc, mon barrage, le travail de ma vie. Envolé. Vous n'avez pas le droit de construire tout ça déjà. Ça suffit. Je vous mets tous les deux en état d'arrestation. Aux arrêts, comme on dit. De toute façon, le principe, c'est qu'à partir du moment où ça fonctionne, les viveurs arrêtent de l'utiliser. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais du coup, tu vois, par exemple, j'aimerais bien voir comment tu fais tes React News, parce que je soupçonne du code énorme. Je t'avoue. Je vous mets tous les deux en état d'arrestation à perpétuité. Arrêtez tout cela, est de ma faute. Je voulais seulement améliorer la vallée des Moomins. D'ailleurs, pour les dés, je crois que c'est... on peut mettre n'importe lesquels. Hein. Je crois qu'on avait fait dés de 4 aussi, dés de 6. On n'avait pas fait le dé de 7. On n'avait pas fait un dé bête comme ça. Mais elle était déjà parfaite, telle qu'elle était. Je le comprends maintenant. Maintenant, allez-vous-en de la vallée des Moomins. Attends, Mumrik, il essayait seulement de faire quelque chose de bien. Ouais, les React News, bah l'ensemble, j'imagine, les vidéos, ouais. Il essayait seulement de faire quelque chose de bien à sa manière. Dans la vallée des Moomins, tout le monde a sa place. Et si, au lieu d'être le gardien des parcs, il devenait le gardien du théâtre? Je suis certain que ses talents d'administrateur et son amour de l'art pourraient être très utiles. Vous voyez? Ça me plairait beaucoup. Je suis en train de m'exploser l'œil. Enfin, si vous êtes d'accord, bien sûr. Eh bien, ça devrait être possible, je crois. En revanche, finis les panneaux, finis les règles. Très bien, ça me va. Mais que vont faire les keufs? Que vont faire les keufs? À quoi servent-ils? Moi, je m'en vais. Salut, Ranae. Tout est redevenu normal. C'est parfait. Alors, tu ne vas pas déjà repartir, n'est-ce pas? Moi, je viens juste d'arriver et j'ai tout un été d'aventure qui m'attend. Avec mon meilleur ami. Avec mon meilleur ami. Le jeu a dit à cap bien fort, c'est pas faux. Et voilà, c'était la fin. Et merci Tuff Johnson pour tout le taf. Hein. Tous les personnages, ils sont là grâce à elle. A plus Ranae. Tout le texte est fait avec les outils Mixitup, mais oui. Les vidéos. Mais oui, actuellement, je me demande si ce serait pas moins lourd de demander à Mixitup de lancer un script Python qui fait le truc. Mais c'est exactement... Moi, je soupçonnais un truc comme ça, ouais. Mais je sais pas pourquoi, je t'imagine à préparer des commandes longues en code, en fait. Je sais pas pourquoi. Par exemple, Python, moi j'ai jamais appris. Faudrait que j'apprenne aussi. J'ai vu des gens réussir à faire des lives avec des interactions Blender. Le niveau, quoi. Je suis tout à fait perdu.
sur ce. Je peux faire du Blender, je peux faire du code et tout, mais la logique pour l'instant des codes Python, C et C Sharp, je ne l'ai pas encore. Même si je soupçonne qu'il y a des trucs qui sont très simples. Pour Blender, je vois pas trop comment ils l'ont fait. J'ai vu aussi Unity être utilisé en live par du VTubing. Un mélange entre Unity, Blender et quelques codes, j'imagine. Mais déjà, ouais, j'ai pris StreamerBot parce que je voulais me tenter sur les codes. Mais faut que j'apprenne le code un peu plus avancé, quoi. Parce qu'il y a pas mal de trucs à faire. Programme que je sors toutes les semaines, c'est un script Python assez complexe. C'est bien ce que j'avais compris. En plus, tu... Ouais, j'imagine que ça produit l'image en elle-même. J'avais vu, je crois que c'était Cinéma et Politique qui faisait aussi un code web pour produire des miniatures. Donc tu une sortir une image à la fin. Je sais pas si c'est du web ou du Python aussi d'ailleurs. Mais j'imagine que ça fonctionne un peu pareil. Il y a du Godot qui est pas mal utilisé aussi, ouais, c'est vrai. Et Godot par contre, ouais, j'ai commencé à l'utiliser ça. Ça va chercher une image de chat qui fait. Ok. De chat qui fait la bonne taille. Ok. Après là, pour l'instant. Ouais, j'avais vu ça, je sais plus, sur un tweet qu'elle avait partagé. Mais en fait, c'est marrant parce que. Bah, les personnes qui font du YouTube gaming, enfin du YouTube en général, pas gaming, mais du YouTube game. J'ai vu pas mal de monde partager des screens de travail, Sakatov par exemple aussi, bah Arcani, sur les recherches visuelles, etc. Et en fait, ça c'est vachement précieux en fait, pour les personnes qui veulent s'y mettre en tout cas. Donc ouais, c'est... tu vois, par exemple, que toi tu nous dises, ouais, j'ai fait ça sous Python, moi je trouve que c'est... C'est pas mal, parce que ça nous permet aussi de nous placer par rapport à... Comment on pourrait utiliser des trucs qui n'ont pas l'air censés fonctionner pour ça. et de se dire, ah, peut-être que faire une image, c'est peut-être plus simple. Voilà. Eh bien, c'était le jeu. Alors moi, j'avais ma grande question, c'est quoi le mode streamer, du coup? Si j'enlève le mode streamer, c'est quoi la musique? On n'a juste pas fini le ragoût de champignons. Dommage. Bon, alors, normalement, je devrais m'arrêter d'ici peu, parce que j'ai faim. Et que, normalement, quand on a faim, on